Τον Αύγουστο του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών. Στο Δημαρχείο της πόλης, οι συμμαχικές αντιπροσωπείες υπογράφουν όσα θέματα έχουν ήδη συμφωνηθεί στη διάσκεψη του Σαρέμο. Τη διανομή των πετρελαίων και των στρατηγικών θέσεων, τα ποσοστά των εδαφικών κτίσεων, τον περιορισμό της Σοβιετικής Ένωσης στη Μαύρη Θάλασσα. Στα εκατοντάδες άρθρα της συνθήκης, τα ελληνικά θέματα δεν καταλαμβάνουν παρά μερικές παραγράφους. Αναφέρονται στην Ανατολική Θράκη, στη Σμύρνη και την περιοχή της. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών είναι γεγονός. Γεγονός βέβαια που ισχύει στα χαρτιά. Καθώς οι δυνάμεις του Κεμάλ βρίσκονται ακόμη βαθιά στην Ανατολία, όλοι αισθάνονται ικανοποιημένοι. Λίγοι ωστόσο διαβλέπουν τις δυσκολίες που επέρχονται. Απομένει η επικύρωση της συνθήκης που φαίνεται αμφίβολη. Η υπογραφή του Σουλτάνου δεν έχει πλέον καμιά δύναμη. Η εφαρμογή της συνθήκης θα εξαρτηθεί από τη δύναμη των ελληνικών όπλων. Et pour la paix dans le monde entier, qu'on puisse valoriser nous les Arméniens, mais pas seulement les Arméniens, puisque vous savez que d'autres populations se sont joints à nous, pour valoriser cet accord de paix international qui permet et qui a permis justement d'apporter la paix dans tout le Moyen-Orient. Et c'est sur la base de cet accord international qu'ensuite d'autres États, et là je vais en parler parce que je voudrais qu'on fasse une minute de silence, c'est pour le Liban. Le Liban, vous savez très bien que le Liban a été indépendant suite au mandat français qui a été obtenu par la France grâce à la signature du traité de Sèvres. Donc c'est un moment très important et je vous demande donc une minute de silence pour nos enfants, pour nos familles libanaises. Merci. Je vais m'adresser aux États signataires. Messieurs les présidents, au nom du peuple arménien d'Arménie occidentale et rescapé du génocide, nous vous saluons et exprimons notre profonde gratitude à l'occasion du centenaire du traité de Sèvres signé le 10 août 1920. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1920, les Alliés victorieux ont signé un traité international de paix à Sèvres, dont les articles 88 à 93, entre autres, qui s'appliquent à l'Arménie, sont juridiquement contraignants à la Turquie, partie au traité, renouvelant sa reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie et plus tard permettant au président américain Woodrow Wilson de signer une sentence arbitrale le 22 novembre 1920, délimitant officiellement la frontière entre la Turquie et l'Arménie occidentale. Aujourd'hui marque le 100e anniversaire du traité multilatéral signé par plus de 21 États et dont sa ratification n'est limitée par aucun délai fixé. Par conséquent, la Turquie, qui après l'entrée en vigueur du traité de Lausanne en 1923, le 6 août 1924, soit 4 ans après, selon les articles 16 et 25 de ce traité, a renoncé à tous les territoires qui n'ont pas été reconnus comme souveraineté de la Turquie, à savoir et y compris l'Arménie occidentale dite wilsonienne. Aujourd'hui, la Turquie occupe les territoires appartenant à l'Arménie occidentale, cette Arménie qui a ratifié le traité de Sèvres le 24 juin 2016. Nous attendons votre médiation active sur cette question et nous espérons que votre pays fera tout son possible pour permettre à la Turquie de mettre fin à l'occupation des territoires arméniens pour faire valoir ce que de droit. Au nom du peuple arménien d'Arménie occidentale et de nos instances, nous exprimons une fois de plus notre profonde gratitude à tous les États signataires du traité de Sèvres, avec égard et respect. Armenak Apramian, président de la République d'Arménie occidentale. Merci.